Ravie de vous accueillir pour ce nouveau message de nos ancêtres. Voilà, donc je vous accueille avec le tambour chamanique, j'espère que ça vous a plu. Cette petite intro un peu improvisée comme ça, voilà, j'ai eu envie parce que j'ai sorti des jeux en fait ce matin pour vous faire le tirage, qui sont le Medicine Woman de Carol Bridges, que j'adore, c'est un tarot absolument magnifique, merveilleux. Et je l'associe aujourd'hui au Shaman's Path du docteur Stephen Farmer. Voilà, donc des jeux très chamaniques en fait pour ce tirage ancestral. Voilà, donc j'espère d'abord que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver comme toutes les semaines. Jusqu'à la fin du mois de novembre, on est vraiment dans le message de nos ancêtres. Mais je pense que je vous ferai un message de nos ancêtres par mois ensuite. C'est-à-dire que le premier mercredi du mois, ce sera le message des ancêtres. Et ensuite, les autres semaines, ce sera un message, voilà, comme on avait fait classique, en fait. Mais je pense que je vais le continuer peut-être chaque semaine, pas chaque semaine, mais chaque mois, pour ceux qui aiment cette rubrique en particulier. Voilà, et puis moi, j'aime beaucoup la faire aussi, donc voilà, ça me permet de retrouver la connexion à certains de mes jeux, et donc c'est un plaisir partagé. Alors, on va voir un peu le message qu'on reçoit aujourd'hui. Donc, je me suis connectée avant de faire le tirage, bien sûr. Voilà, donc on va regarder un peu ce qui nous est transmis aujourd'hui. J'appelle ça une transmission. Alors déjà, on va regarder avec le tarot un peu ce qu'il en est. Alors, pour moi, je trouve que, bon, là, les énergies sont meilleures. Ça a été un peu compliqué jusqu'au premier quartier. Là, ça a l'air d'être un petit peu mieux. Hop là. Et on a la carte de la Renaissance, qui est la carte du soleil. Alors là, on voit deux personnages, en fait, deux femmes qui sont en train d'accueillir... Non, c'est pas deux femmes, c'est un homme et une femme. Je sais pas pourquoi je vous dis deux femmes, parce que l'homme a les cheveux longs, donc ça m'a un peu perturbée. On voit un homme et une femme accueillir un enfant, en fait, un nouveau-né. Donc on a cette idée vraiment de renaissance, de renouveau, de nouveauté, quelque chose d'important aussi qui s'annonce. La venue d'un enfant dans un couple, c'est quelque chose qui est bouleversant, mais dans le bon sens du terme. Et donc là, c'est exactement ça, un événement bouleversant, quelque chose de très fort va envahir notre vie et se présenter à nous, mais c'est quelque chose de positif, c'est quelque chose de solaire, c'est une communion en fait qui nous est apportée entre notre corps, notre esprit, un équilibre aurique, un équilibre énergétique qui va nous permettre un véritable renouveau et quelque chose de puissant va se mettre en place en fait. Donc c'est quelque chose de positif, c'est quelque chose de très beau, de très lumineux. Alors on va voir avec l'oracle ce qu'il est dit. Donc message court, concis, précis, ça va droit au but ce matin. Voilà, quelque chose de... Un renouveau, mais un renouveau, quelque chose qui chamboule, mais dans le bon sens du terme. Quelque chose qui bouleverse, quelque chose qui vous prend tout entier. Voilà, c'est quelque chose de vraiment crucial, je dirais, qui se profile à l'horizon. Donc ça peut être dans n'importe quel domaine de votre vie, bien sûr. Mais c'est quelque chose qui sera quand même très important. Allez, on va avec celui-ci, tirer une carte. Donc là, je lève les yeux parce qu'il y a des textes au dos des cartes. Et hop, et voilà. Et j'ai l'intégrité spirituelle.
avec des personnages qui sont connus. Vous allez reconnaître certains personnages comme Gandhi, comme Mère Teresa par exemple, pour ne citer que. Voilà, donc en fait, cette carte, elle nous parle de l'engagement que nous avons avec notre spiritualité, avec notre âme en fait. Et il faut tenir cet engagement et vraiment être complètement nu face à cet engagement. Sans honte, sans jugement, sans idée préconçue, on se livre tout entier par rapport à notre spiritualité et on explore vraiment toutes les facettes de cette spiritualité. Donc c'est comme un contrat qu'on aurait signé avec notre âme en fait et on est vraiment authentique face à cette spiritualité qui est en train de se développer en nous. Alors qu'est-ce que j'ai fait de la carte? Voilà, je la cherchais, je la trouvais plus. Donc cette renaissance, elle parle d'une renaissance spirituelle en fait. C'est quelque chose de spirituel qui va vous bouleverser, ou du moins l'événement qui arrive va bouleverser votre spiritualité. Voilà, c'est quelque chose de grand, c'est quelque chose de beau, de fort, de vraiment puissant, qui laisse des traces sur son passage. Donc si je lis le dos de la carte, cette intégrité spirituelle, elle va parler aussi de la façon dont on va s'exprimer par rapport à ça, de garder justement bien au chaud cette notion d'engagement et de suivre le chemin de notre cœur. Donc c'est vraiment très important. On se donne corps et âme à cette spiritualité, quelque part c'est un peu ça. Donc sans honte, sans jugement, sans idée préconçue, comme je vous le disais. Voilà, c'est un peu ce que je vous ai dit avant, mais je connais un peu ce jeu, donc voilà, c'est pas des cartes qui me sont complètement inconnues. Ça va nous permettre justement de rester sur notre chemin spirituel, en fait. C'est ce qu'il est dit. Le fait de ne pas avoir de jugement, d'être vraiment neutre, ça va nous permettre d'avancer sur notre chemin spirituel et d'avancer comme il faut, je dirais, vers de grandes choses. Donc, il faut honorer cet engagement et en faire une priorité parce que c'est ça qui fait que quand on ne va pas bien, quand il y a des choses difficiles dans notre monde, dans notre vie, c'est cette spiritualité que l'on a, à laquelle on peut s'accrocher et qui va nous aider évidemment à nous tirer de mauvaises situations et à aller de l'avant en fait. Voilà, à avancer. Alors, je vais vous lire le petit mantra. Je suis à travers mes engagements. Alors, non, c'est pas tout à fait je suis. Je suis fidèle à mes engagements envers moi et les autres. Voilà, je suis fidèle à mes engagements envers moi et les autres. C'est vraiment ça. Donc voilà le petit mantra sur lequel vous pouvez travailler. Donc voilà, il y a une explosion spirituelle qui arrive là. Bon, en même temps, on est au mois d'octobre, on est proche d'Halloween, proche de la fête des morts, proche de Samhain, etc. Donc c'est vrai que ce mois d'octobre, il est très dans l'introspection toujours. On a toujours tendance, on y pense aux défunts, on y pense tout le temps. Mais c'est vrai que ce mois-ci, il est vraiment propice à ces pratiques-là, c'est-à-dire se rapprocher un peu de nos défunts, les honorer, etc. C'est le moment de l'année où on va le faire évidemment de façon peut-être plus importante que les autres moments de l'année. Voilà, c'est vrai que c'est propice en fait cette période. Elle va être propice, les 15 derniers jours d'octobre, ils vont être propices à ce type de choses. Donc voilà, vraiment une belle guidance, je trouve. Donc j'espère que ce message vous plaît, qu'il vous apporte bien quelque chose dans votre vie, dans votre journée, dans votre semaine. Voilà, donc j'étais ravie de vous accueillir aujourd'hui encore une fois. Je vous embrasse, je vous dis de prendre soin de vous, ça c'est important, surtout. Et puis à très vite, évidemment, pour d'autres vidéos. Là, j'en ai un peu moins fait cette semaine, j'avais besoin de me poser aussi, de travailler sur mes projets. Voilà, je suis dans la continuité du Witchy, toujours pour mon histoire de packaging, etc., qui j'espère va avancer prochainement.
J'ai bon espoir, voilà. Les paroles arc-en-ciel, etc. Donc c'est vrai que je fais d'autres choses aussi. Et j'ai besoin aussi de faire un travail sur moi. Donc je poste une partie de ce travail-là tous les jours sur Instagram et sur Facebook. Pour ceux qui me suivent sur les réseaux sociaux, je fais actuellement un travail d'introspection, de shadow work si vous préférez, avec mon adoré Goliath, voilà le tarot de ma vie, hein. Je l'adore celui-là. C'est une énergie qui me prend complètement et avec laquelle je travaille vraiment de façon personnelle, comme je ne travaille avec aucun autre jeu. Et j'ai décidé de l'associer à un jeu féminin, puisque pour moi le Goliath c'est vraiment la force, c'est vraiment le côté masculin. Et donc j'ai décidé de l'associer à un jeu féminin, qui est le jeu du divin féminin en français, si je vous traduis le titre. Et c'est vrai que tous les deux s'accordent bien, ils se répondent parfaitement tous les deux. Donc voilà, ça je vous le partage tous les jours de cette semaine. Au moins jusqu'à vendredi. Ce week-end, je ne sais pas trop si j'aurai le temps, mais si je peux, je le ferai aussi. Mais voilà, donc c'est vrai que cette semaine, j'ai pas eu ou pas pris forcément le temps de faire d'autres vidéos, mais j'étais ravie de faire celle-ci et je vous retrouve très vite pour d'autres vidéos. D'ailleurs, j'ai un petit jeu à vous présenter qui me plaît beaucoup. Je ne vous en dis pas plus, voilà, ça sera pour la prochaine fois. Et puis, j'ai aussi un vlog, pas un vlog, mais oui, on va dire un vlog. Un vlog qui m'a été suggéré par un youtubeur qui est un de mes amis aussi. Et donc, ça voilà, on y travaille en groupe. On va essayer de vous faire ça dans les jours qui viennent. Voilà. Donc, je vous embrasse. Merci de me suivre. Merci infiniment pour vos mots gentils, pour vos commentaires, pour votre soutien, pour votre amour, votre bienveillance. Voilà, je voulais vous le dire du fond du cœur, merci. C'est important aussi de le dire, de remercier, d'être dans la gratitude. Je pense que ça fait partie aussi de notre spiritualité. Moi, c'est comme ça que je le conçois. Donc voilà, je ne pouvais pas terminer cette vidéo sans vous remercier et vous dire que je vous aime. Voilà, que je vous envoie beaucoup d'amour et plein de soleil pour cette journée. À bientôt. Bye bye.